Oui, avec le président candidat justement qui a réagi à la flambée des prix hier, qui promet une aide rapide. En quoi est-ce que ça pourrait consister? Le prix du gazole qui coûte très très cher, alors que le baril de pétrole est loin des niveaux records atteints en 2008. Là, il y en a beaucoup qui doivent se dire « BMW doit pas beaucoup m'aimer ». Déjà, en tant que moteur, il me file un scooter. Et en plus, c'est même pas un thermique, c'est un électrique. Mais je pense que vous auriez tort de penser ça. Je n'ai jamais roulé en scooter, ni en 50, ni en 125, et encore moins en véhicule électrique. Alors quand la concession BMW d'Arras m'a proposé de tester en avant-première le CE04, sorte de scooter hybride à mi-chemin entre un véhicule de manga et de bande dessinée post-apocalyptique, j'ai d'abord été un petit peu décontenancé, puis extrêmement curieux. Bah ouais, hein, une adaptation presque identique d'un prototype sur route, c'est toujours sympa à voir et à avoir, surtout dans un monde où l'essence commence à grimper fortement. Le CE04 est l'évolution du BMW C-Evo, déjà leader dès 2014 des scooters électriques. 3000 unités dont 850 rien qu'en France, faisant ainsi de notre bel hexagone le leader mondial du marché électrique en termes de vente, il était devenu censé de proposer de la nouveauté. Sauf que le CE04 a été présenté en plein Covid. Bon, c'est dommage, mais c'est pas pour autant que le véhicule n'a pas impressionné. Vous avez là un véhicule qui change complètement de tout ce qu'on peut trouver sur le marché de la moto et du scooter. Et d'ailleurs, ce type de véhicule, pour l'instant, n'a pas de concurrence sur l'électrique. On peut retrouver une offre thermique, notamment autour du VMAX 400, mais sur l'électrique, dans cette gamme de produits, il n'y a rien du tout. Et on sait que BMW s'appuie beaucoup sur l'électrique pour la mobilité de demain. Et c'est pour ça que le CE04 est sorti. CE pour Concept Evolution, 04 parce qu'il se targue d'être un équivalent 400 cm3 thermique. Rien que ça. Et la première chose qui frappe dans ce véhicule, évidemment, eh ben c'est ce style. Ouais, bon, en gros, c'est soit ça passe, soit ça casse. Place à la modernité et à la mobilité urbaine, on a directement une ligne qui est complètement disruptive, en éclatement total avec ce que propose BMW d'habitude, et personnellement, ça me plaît beaucoup. Il y a aussi pas mal de détails qui font que ce scooter électrique a pour moi un charme fou. Déjà le mono-amortisseur qui est complètement déporté et visible, que je trouve absolument remarquable. Également cette transmission à courroie qui fait du coup aucun bruit, et c'est plutôt agréable. En se rapprochant d'ailleurs d'un peu plus près, on peut retrouver des hommages à d'anciens véhicules de chez BMW. Le plus frappant, c'est notamment sur le garde-boue avant. Ça vous évoque pas quelque chose? En fait, c'est un petit hommage justement au BMW K1 avec ce garde-boue qui ressort énormément. Ça montre du coup bien le côté disruptif du véhicule. Et là, bah, on entre clairement dans le côté ça passe ou ça casse niveau design. Enfin, une chose qui peut impressionner au-delà du style, c'est ce gabarit. Immense, comparé à d'autres scooters du même acabit. Et pour cause, hein, le véhicule fait 2,28 m de long. Mais si ça, c'était pas déjà assez impressionnant, c'est surtout son empattement qui fait grand bruit. 1675 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que déjà vous pensez que c'est grand, l'empattement est plus grand sur le CE04 que sur une Ducati Diavel. Avec une largeur totale de 855 mm, un guidon large et un centre de gravité extrêmement bas, le véhicule semble se manier assez facilement même à bas régime. Et il en faut de l'assurance pour bouger un tel mammouth. Oui, parce qu'on n'a même pas parlé de son poids. 231 kg, c'est une sacrée machine. Bon, c'est pas le tout, mais on va quand même rouler quoi, parce que ce serait sympa de rouler alors qu'il fait beau, pour une fois qu'il fait beau dans ma région. En plus, pour une fois, vous allez pouvoir apprécier le silence. Bon, c'est pas le tout d'aller rouler, mais j'aimerais quand même vous montrer mes premiers tours de roue avec. On va rembobiner un peu. Eh ben, n'en déplaise aux puristes de chez BMW, cette fois-ci, j'ai pas choisi un véhicule où il y a la radio, mais j'ai choisi un scooter électrique. Alors, c'est où qu'on démarre, hein? Ce serait là, ok, tac. Ah, là, je suis pas perdu. C'est le même écran que la 1250 RT.
Sauf que il y a des barres bleues. Ok. Je présume que c'est donc comme ça. Pour l'état circulé, support latéral déplié. Ah oui, oh, et d'ailleurs tu peux même pas reculer. Ah oui, c'est vrai que quand il y a la béquille, il y a le frein moteur qui prend. Et tu l'enlèves, hop, a plus de frein moteur. Est-ce que je suis bon ou pas? Là du coup, on va me dire ok ou pas. Yes, nickel. C'est assez lourd quand même, mais bon. Donc ça, je présume, deux freins, c'est un scooter, ok. Ok, ça part tout de suite. Oh là, ok. Ok. Ah, ça va, ça se manie plutôt bien. Oh, par contre, c'est... Ok. Ouais, c'est... par contre, c'est très décontenançant. Ça envoie. Ah oui, d'accord, je présume que c'est... Ben oui, c'est évident, ça se recharge quand c'est sur le frein moteur. Ah, pas mal. Bon, et ben les amis, aujourd'hui, nous voici sur le CE04. Clairement, la cible n'est pas le baroudeur road tripper machin truc. On est vraiment sur de l'utilitaire urbain. Dans la région, on n'est pas tellement dans l'urbain plus, quoique sur l'île, ça peut passer. Mais sur les grandes agglomérations, je pense que ce petit véhicule peut avoir un intérêt. Bah, c'est pas trop mal. En termes de position, on est plutôt bien installé, je trouve, à part la selle qui est super dure. Déjà, vous avez bien vu cette selle très très bizarre. Attends, là j'ai un truc là. Vous savez à quoi ça me fait penser, ce genre de selle? Bah quoi? C'est une planche à repasser la selle, non? Wouhou! Gaz en grand! Et ça envoie bien comme il faut, hein! Ouh là 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 là! La puissance de l'électrique, c'est tout de suite, c'est du on-off, quoi! Excellent! Ah, moi, je suis convaincu que ça, ça va marcher pour la ville. Écoutez là. Oh! Le silence. Pas de bruit de pot d'échappement, pas de pot, pas de machin. Que du calme. Et ça, ça fait du bien. On est sur un type de véhicule qui est complètement moderne dans ses lignes, qui peut même, je pense, plaire énormément comme rendre fou certains puristes des scooters et des motos. Je pense que c'est dans l'air du temps d'avoir des véhicules comme ça qui changent l'ordinaire. Et là, on est clairement sur un véhicule atypique. Et vous savez que j'adore les véhicules atypiques. On retrouve donc l'écran classique de chez BMW, à savoir un écran TFT de 10,25 pouces, le même que le 1250RT. Attends, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a vraiment une vidange à faire dans 946 km. Mes frères, c'est un véhicule électrique. Il n'y a plus d'huile là-dedans. C'est le seul véhicule que je pourrais pas péter parce qu'il n'y a pas d'huile dedans. La navigation, le téléphone. Non, vraiment, c'est du classique. Hein. La petite molette de chez BMW qu'on commence à retrouver un petit peu partout maintenant. Bouton des modes qu'on pourra tester tout à l'heure. Les poignées chauffantes qu'on pourra tester également. Le coupe-circuit. La fonctionnalité appel d'urgence SOS avec le système e-call de chez BMW. Ça, c'est les feux diurnes. Ça, c'est les warnings. Le bouton du menu clignotant, klaxon. Oh, le gros klaxon. Le klaxon fait plus de bruit que la moto. Forcément. C'est électrique, c'est forcément ça. C'est déjà pas mal là sur le poste de conduite. C'est un poste de conduite qui est, ma foi, extrêmement simple, extrêmement épuré. On va à l'essentiel. Un très gros V à toi, mon ami. Ah bah, tu vois quand même, il y a des motards qui font des V. Bah voilà. Des motards qui font des V au scooter. Bravo. Alors, j'ai un petit peu mal au dos. J'espère que c'est parce que je suis pas bien installé. Ou peut-être qu'il faut que je le mette comme ça directement. Plutôt d'avoir mes panards allongés là. Et ça freine vachement bien. Hein. Et clairement, eh ben, ce véhicule, pour moi, il est adapté à cet environnement-là, à savoir la ville. Ça sert à rien d'acheter un scooter électrique pour espérer faire un road trip. À la limite, tu fais de la ville et tu vas dans la périphérie. C'est largement suffisant. De toute façon, ta batterie, je pense, ne te permettra pas de faire un énorme road trip, à part si tu as du temps devant toi pour recharger. Bon, puis l'avantage, c'est bien, c'est que tu as quand même des bornes qui sont un peu partout maintenant. Ce qui fait du coup que tu commences à avoir quelques petits gestes du quotidien, notamment pour recharger, si t'es pas chez toi. Parce que tu peux aussi recharger chez toi sur une prise classique. Le chargeur du scooter se trouve dans un compartiment sous la selle, dans lequel, lorsque vous chargez votre véhicule, vous pouvez y placer un casque jet ou un casque intégral si vous avez une petite tête. Et du coup, maintenant, ton geste du quotidien, plutôt que d'aller chercher une station-service avec un prix qui est le plus bas possible, où t'es genre à 2,10, 2,20, voire 2,30, et ben hop, tu prends ton petit câble, tranquillou, et tu viens recharger directement. Et puis, bah, t'attends. Longtemps. Très longtemps. Jusqu'à ce que tu puisses repartir, quoi. Non, en vérité, j'ai attendu 2h30 à 3h sur une prise classique. Mais avec un chargeur rapide, vous pouvez charger à une puissance de 6,9 kW et recharger le CE04 de 0 à 80% en 65 minutes. On a du coup dans ce véhicule une batterie de 8,9 kWh de puissance brute, ce qui fait quand même une sacrée belle petite batterie. Un autre point intéressant à découvrir, c'est
l'autonomie de ce véhicule. On est aux alentours d'une autonomie de 130 km. Alors, ça peut vous paraître assez peu, ce que je peux comprendre, dans un usage classique. Comme il y a deux versions, permis B et permis A, il y a une version qui a 130 km d'autonomie annoncée et une autre version qui a 100 km d'autonomie annoncée. Oui, parce que tant qu'à avoir un véhicule réellement complet, faisons en sorte qu'il soit rigolo et conduisible avec tous les permis. Ce scooter équivalent 400 peut être bridé à 11 kW, soit 15 chevaux, pour être conduit uniquement avec un permis A1 ou un permis B plus 7 heures de formation à la conduite des deux roues. Sinon, dans sa puissance maximale, donc débridée, il développe 31 kW, soit 42 chevaux, et l'autonomie passe alors de 100 à 130 km. Mais il est aussi un petit peu plus long à charger dans cette version. Moi là, c'est la version bridée que je teste sur ce véhicule, donc on est à environ 100 km d'autonomie. Et je pense qu'on ne doit pas être très loin du compte. Ah, regardez comme c'est chouette, Arras, cette ville magnifique, où il fait bon vivre et où il fait bon ne pas faire un seul bruit. On va essayer de passer un petit peu dans les toutes petites rues. Ah, ça s'emmène tout seul, hein. Ça s'emmène largement tout seul, hein. Y a de quoi faire, hein. Ouais, non, c'est parfait pour ce genre de petite... Merci, madame. Et en plus, ça freine bien. C'est parfait pour ce genre de petite route, toute petite route de ville. J'aime bien, moi, j'aime bien. C'est super fun, ça s'emmène facilement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé en ville, on va un petit peu sortir des agglomérations. La plupart des gens travaillant en ville habitent en périphérie. Qu'est-ce que donne alors le CE04 dans le réseau secondaire ? Eh ben croyez-moi, vous n'allez pas être déçu. Très gros V. Moi qui pensais que le CE04 était uniquement destiné à la ville, qui reste son champ d'action majeur, je me suis trompé. C'est une réelle bonne surprise dès lors que la limitation dépasse les 50. On assiste alors à un changement de taille. Le CE04, c'est deux véhicules totalement différents, en fonction de la route choisie. Il y a quand même quelque chose qui m'impressionne avec ce véhicule, c'est son agilité qui est quand même, je trouve, assez remarquable tellement son centre de gravité est bas. T'as quand même 231 kg à mailler, je suis juste avec une petite main, tranquille, ça va tout seul. C'est simple, jamais je n'ai été pris à défaut sur des routes de campagne, même dégradées. Le mode road, et surtout le mode dynamique, sont d'une précision et d'une efficacité remarquables. Accélération conséquente, facilité dans les courbes. Le CE04 enchaîne les virages de ma région avec un zeste de malice et de précision. Le grip sur du sec est tellement efficace que le véhicule ne décroche pas. On a donc 4 modes ici qui vont changer avec le bouton mode et qui vont du coup les 4 varier sur le frein moteur, donc la charge et la récupération d'énergie et également la puissance délivrée. Le mode éco, forcément, on n'aura pas une très grosse puissance. Par contre, on aura un frein moteur qui sera gigantesque, mais vraiment énorme. Il te happe vers l'arrière. On aura ensuite le mode rain où là, ça va déjà commencer à changer niveau cartographie. On va avoir un peu plus de patates. Par contre, pour éviter justement le patinage, on va avoir un frein moteur extrêmement faible. Ensuite, troisième mode, normalement t'as que 3 modes hein, sur le CE04, c'est le mode road, où là t'as une très bonne puissance, avec un frein moteur qui est du coup quasi le maximum possible. Et après t'as un quatrième mode en option, qui est le mode dynamique, où là, le moindre filet d'accélérateur, ça vient varier directement et ça vient te pousser. Et c'est absolument génial, c'est le mode que je trouve le plus fun, avec du coup un frein moteur qui est le même que le mode éco. C'est on lâche les chevaux quoi. Niveau patate c'est immense, et niveau frein moteur c'est immense également. Le mode dynamique est un indéniable atout dans la manche du scooter électrique. C'est simple, la réponse entre la poignée de gaz et le train roulant est instantanée. Ça donne une impression de puissance folle, qui fond comme neige au soleil au rythme des pourcentages de la batterie. À utiliser donc avec modération. Mais que donne le CE04 quand on le pousse dans ses retranchements? Pour ça vous me connaissez hein. On va aller sur un spot bien connu des amateurs de mes essais. Passez à l'électrique, faites pas de bruit. En plus, le bruit ça sert à rien, ça sauve pas des vies. Bon, on a vu un petit peu le comportement routier de cette machine et en vérité, eh ben, je trouve ça pas mal du tout. Il y a aussi quelque chose sur ce véhicule que je trouve assez inutile, c'est cette bulle à l'avant. En fait, ils ont fait un carré qui était, ma foi, assez joli, mais qui sert pas à grand chose en termes de bulle. On a l'impression qu'en fait, ils ont juste mis une plaque en plexiglas pour dire de protéger un petit peu la connectique de l'écran, mais ils auraient peut-être dû le faire un peu plus grand. Comme ça, ça aurait peut-être permis de laisser passer un peu plus d'air. Mais pour moi, ça remplace pas l'inconvénient majeur de ce véhicule qui est la selle que je trouve limite. Alors, il paraît qu'il y a 6 configurations de selle possibles avec des selles qui sont un peu plus creusées, un peu moins creusées. Mais là, sur la selle de base, c'est pas incroyable en termes de confort et de feeling. Bon, du coup, le laisser routier pour moi, c'est terminé. Maintenant, on va faire ce que vous appréciez tous et ce que je trouve absolument délirant, un 0 à 50. Il paraît que ça envoie du feu de Dieu, on est quasiment à près de 2 secondes pour faire ce 0 à 50, et je vais juste regarder un petit peu comment ça se comporte. Je sais que c'est pas fait pour ça,
mais vous me connaissez. Moi, j'aime bien mettre les véhicules dans leur retranchement et je me dis que ça peut être intéressant à regarder. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. On va essayer de voir un petit peu ce que ça a dans le ventre parce que j'ai jamais essayé. Mode dynamique. On démarre. 3, 2, 1. Ah, putain, mais ça va bien vite. Hein. Là, je t'avoue, à ce moment-là, j'étais pas serein. Je pensais vraiment avoir bousillé le CE04. Ça a tellement chauffé partout que le véhicule s'est mis en défaut. Et je pensais vraiment l'avoir cassé. Alors, comment ça fait que ça va plus là? Qu'est-ce qui c'est que ce bordel? Défaut dans la propulsion électrique. Bon, après avoir attendu un quart d'heure, c'est rentré dans l'ordre. Ça reste un mystère encore aujourd'hui, chauffe ou dérapage, mais en attendant, j'ai rien cassé et c'est tant mieux. Bon, j'ai eu un petit problème. Par contre, ça accélère vachement fort. Ça laisse tous les autres véhicules en plan. En départ arrêté, il n'y a rien qui fait mieux et c'est ultra kiffant. Mais vous avez compris, il ne faut pas enchaîner les 0 à 50 tout le temps pour éviter ce genre de déboire. Hein. Désolé BMW, j'ai encore maltraité un de vos véhicules. Bon, vous voulez pas. Hein. Bon, ce serait peut-être le moment de prendre une petite pause. Bah quoi ? Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin pour critiquer cette selle ferme comme une planche de surf. Non, là, vraiment, j'arrête, c'est parti trop loin. Et avouez que vous avez bien rigolé. Sachez que ça n'enlève en rien les qualités routières du CE04. Tout tombe sous la main. Les commandes, l'ergonomie, c'est assez évident ici. Le confort était quelque peu tranché pour avoir un véhicule très futuriste, mais qu'à cela ne tienne, ses points d'amélioration sont gommés par tout le reste. Ce véhicule est un orni. Un objet roulant non identifié qui nous donne une banane folle à chaque virage, chaque accélération et chaque freinage. Et chaque arrêt aussi. Regardez. Pas un bruit. Pour profiter pleinement, instantanément, du silence autour de soi. C'est trop agréable. C'est une autre vision de la mobilité. Et c'est clairement pas pour me déplaire. Bon bah on a fini sur ce scooter CE04. Alors du coup... Bah... M'agresse pas toi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est assez particulier comme véhicule. C'est, pour moi, un secteur qui est complètement novateur, un secteur nouveau, donc ça peut être intéressant de proposer une alternative aux véhicules thermiques, surtout avec le prix de l'essence. C'est pour ça que j'ai fait le gag avec l'essence, forcément. Il y a pas mal de petits avantages dans ce véhicule. Une autonomie qui est assez intéressante quand on fait de la ville, mais un temps de charge qui est également assez court. Hein. On est sur environ 2 heures de charge pour le véhicule. Du moins, dans tous les états que j'ai fait, t'étais à 2 heures sur des prises classiques. Et ça, ben, c'est pas énorme. Bon, après, évidemment, il n'est pas exempt d'inconvénients. Hein. On a déjà la selle, j'en ai parlé beaucoup. La bulle qui est pas incroyable, donc la terme de protection, c'est pas ouf. Mais ça vient en fait complètement gommer ce que BMW a voulu proposer avec ce CE04, à savoir une mobilité urbaine électrique qui est pas forcément très très cher sur un coût final parce que ce véhicule en fait il est proposé dès 12 150 euros. Alors du coup ouais, tu vas te dire 12 000 euros pour un scooter, c'est assez costaud quand même, mais derrière t'as pas de vidange, t'as pas d'huile, t'as pas d'essence, t'as juste le coût électrique au niveau des bornes et ça s'arrête là. Du coup quand tu additionnes tous les frais annexes que tu peux avoir, et eh ben je pense que ça reste une alternative assez intéressante pour peu que tu veuilles pas faire d'autoroute, pas faire de grande route et que tu as des bornes pas très loin de chez toi quoi. Je suis pas certain que si tu habites en Ardèche ou dans le Doubs, tu dois avoir beaucoup de bornes, mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que c'est une alternative qui peut être extrêmement intéressante pour les grosses agglomérations, en région parisienne n'en parlons pas, je suis certain que ça va cartonner. Je pense véritablement que ça peut trouver son marché. Faut pas oublier que c'est pas une moto, ça reste un scooter. Ça reste aujourd'hui assez Je pense qu'aujourd'hui, ça reste un pari audacieux de BMW d'avoir proposé un véhicule comme celui-ci qui est complètement disruptif, à l'opposé de ce qu'on peut voir sur des véhicules thermiques. Et je pense que ben, le pari peut être gagné si et seulement si ben, il trouve son public. Et ça encore, et ben, ce sera pas aujourd'hui qu'on le saura, mais dans quelques semaines, voire dans quelques mois, pourquoi pas même quelques années. C'est là qu'on verra si le pari a été gagnant pour les Allemands ou pas.